Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Michel Midi. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mohamed Hassan. D'abord quelques informations rapidement. Je vous avais la semaine passée invité tous ceux qui habitaient près de Paris à venir à notre débat. Est-il possible de vaincre le colonialisme d'Israël? Malgré quelques empêchements et sabotages, comme d'habitude, de ceux à qui ça ne plaît pas, le débat s'est très bien déroulé. On a eu une bonne centaine de personnes et un excellent débat. Donc, merci pour cette participation. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une région que vous avez peut-être du mal à situer tout simplement sur la carte. Donc, je vais d'abord montrer où se trouvent l'Érythrée et la Corne de l'Afrique. Vous voyez ici que nous avons un très grand pays, l'Éthiopie, au nord un pays beaucoup plus petit en taille en population, l'Érythrée, Djibouti, une base coloniale française très importante, et la Somalie qui couvre la Corne de l'Afrique, la pointe. Donc, c'est une zone qui a toujours été extrêmement disputée et controversée. Et si je montre la carte suivante, vous allez comprendre pourquoi. La carte suivante vous montre l'ensemble de l'océan Indien. C'est-à-dire que vous voyez l'Éthiopie sur la gauche, la Corne de l'Afrique, la Somalie, et vous voyez qu'en fait, les routes maritimes entre au nord, là à gauche, le Moyen-Orient, le pétrole, l'Arabie Saoudite, et au nord à droite, la Chine et l'Inde, le continent où se déroule l'essentiel du développement et de la croissance économique au XXIe siècle, eh bien, les routes maritimes entre ce monde arabe, l'Afrique et même le commerce avec l'Amérique latine passent par là, vers la Chine, vers l'Inde. Et ça, c'est une zone que les États-Unis ont toujours voulu contrôler, et aujourd'hui encore plus que jamais, avec ce que Obama a appelé le pivot vers l'Afrique. Alors, on va poser en premier lieu à Mohamed Hassan, qui est donc un diplomate d'origine éthiopienne, qui vit en Belgique depuis plus de 40 ans, mais qui est resté extrêmement actif dans cette région. Ceux qui ont déjà lu La stratégie du chaos ont énormément apprécié ses éclairages sur l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb, la Corne de l'Afrique, justement. Il y a un chapitre sur l'Érythrée dans ce livre, mais aussi l'Asie avec Afghanistan, Pakistan. Et donc, Mohamed Hassan est un grand ami d'investigation et vraiment une autorité sur les stratégies, les rapports sociaux, les rapports entre les classes sociales dans ces différentes régions. Et donc, la première question à poser, c'est, Mohamed, pourquoi est-ce que les États-Unis ont toujours voulu contrôler cette région? Mohamed va vous parler en anglais que je vous traduirai, mais il comprend mes questions en français, enfin, j'espère. First of all, it's a very strategic region. C'est une région très stratégique. And secondly, it is a region which brings almost 60% of humanity of Asia, added to it big part of also of Africa and Europe. 60% de l'humanité vit en Asie, Afrique et Europe. Because of it is a strategical position and the maritime situation of the region. Et c'est vraiment la clé des routes maritimes. The United States, after the Second World War, particularly when President Truman was elected, Après la Seconde Guerre mondiale, quand le président Truman a été élu, two brothers became very important in the American administration. il y a deux frères qui sont devenus ultra importants dans l'administration US. One of them is Alan Dulles, the founder of the CIA. Alan Dulles, fondateur de la CIA. And the second one is his brother with John Forrester Dulles. Et son frère qui a été ministre des Affaires étrangères. I would suggest for any person who wants to know deep about the US, particularly in the time of Truman until recently, that Si vous voulez comprendre cette période de l'histoire des États-Unis jusque maintenant, en fait, there is a very good book published by Stephen Kinzer called, the title of the book is The Brothers. Un livre de Kinzer, The Brothers.
It's a very good indication. It explains in details the history of these two individuals. Secondly, is their influence on the United States. And John Le livre explique leur influence sur la politique des États-Unis. And also, it is the architect of U.S. foreign policy, John Foster Dulles, which until recently was the dominant one. Et John Foster Dulles a en fait été l'architecte de la politique internationale des États-Unis, dominant jusqu'il y a peu. Il y a une citation, Mohamed, que je crois qu'on doit absolument lire ici à l'écran, parce qu'elle éclaire beaucoup le drame, je vais dire, de l'Érythrée. C'est justement John Foster Dulles qui, dans un débat au Conseil de sécurité de l'ONU, avait déclaré, je cite, « Du point de vue de la justice, les opinions du peuple érythréen doivent être prises en considération. Le peuple érythréen réclamait son autonomie, son indépendance. Il ne voulait pas être colonisé. Néanmoins, dit Dulles, les intérêts stratégiques des États-Unis dans le bassin de la mer Rouge et les considérations pour la sécurité et la paix dans le monde, ok, mais retenons les intérêts stratégiques des États-Unis, rendent nécessaire que ce pays soit rattaché à notre allié l'Éthiopie. Ça veut dire qu'on a obligé l'Érythrée à se soumettre à l'Éthiopie, qui était à ce moment-là un régime très féodal, très réactionnaire, très répressif. That is true. The view of the, John Foster Dulles is as follows. This man, in the beginning, he was a lawyer working for a law firm in the United States, and his idea, even he worked with the Nazis. Dulles était un avocat qui travaillait pour les milieux d'affaires. Il a collaboré avec les nazis. He was a businessman or advisor for big business people. Il était aussi avocat de Standard Oil, qui est devenu Exxon. That is true. So that he came from a Presbyterian Irish family, immigrated from to United States, and he is also at the same time very religious, Protestant Presbyterian, and he views the world from that point of view. And he's in service of his master's different. Il était d'une famille immigrée, protestante, ses vues religieuses l'influençaient beaucoup, et il était vraiment au service, on peut dire, du business. To come to the business now, why he thinks like that? Of course, he's a legal man, and he cannot. He have to hide his strategy. He says yes, Eritrea from a legal point of view. Have the right to be independent as all. Donc, other. Il doit cacher son point de vue. Il reconnaît que les Érythréens ont le droit à l'autodétermination. Because it is, he's also a lawyer, so he knows that. So he said Eritrea is an Italian colony, as all other Italian colonies, they have to be independent. But he adds. C'était that donc une colonie de l'Italie fasciste, et ils ont le droit d'être indépendants. Il le reconnaît. And he is, of course, the father of the Cold War against the Soviet Union. To hide that, he says. Mais il est aussi le père de la guerre froide contre l'Union soviétique. So, because of that, he says that for the greater good of the world communities to fight against communism and the Soviet Union, Eritrea should be federated with our friend feudal Ethiopia. Et donc il dit voilà, pour le bien du monde contre le communisme, il faut que l'Érythrée soit dans une fédération contrôlée par l'Érythrée, par l'Éthiopie, pardon. Ça veut dire que ça va provoquer une répression de l'Éthiopie qui ne veut absolument donner aucune autonomie et une très longue guerre, en fait. In fact, what happened is that is a trick, that it is Ethiopia is a theocratic state. One person rules Ethiopia, the emperor, he is the head of the church. C'est un état féodal religieux, l'empereur a tous les pouvoirs. And putting a federation and federalism is a modern political system. It's a bourgeois concept. And putting Eritrea, which is Italian colony, Italians invested a lot. There was an embryo of working class. There is certain movement. It is much advanced than Ethiopia. Is to put a feudal state with Eritrea federation is like organizing a marriage between a cat and an elephant. Donc, en fait, c'est un mariage entre un chat et un éléphant, comme dit Mohamed, parce qu'on oblige un pays qui était relativement moderne, avec une industrie de démocratie, à rester dans le cadre d'une fédération, d'un concept tout à fait bourgeois, d'obliger dans une fédération féodale. Je voudrais qu'on explique quelle a été la conséquence pour l'Érythrée. Ça signifie une guerre de libération, la plus longue guerre de libération en Afrique, non? Et donc une très très grande souffrance pour le peuple érythréen. Very much.
First of all, I will add two things how the Eritrean people suffer. Pour First, montrer comment les Érythréens ont souffert. Once Italian colonialism crafted Eritrea, at that moment is the population of Eritrea was almost about 1 million population. Il y avait à cette époque-là une population d'environ 1 million d'Érythréens. And from this 1 million population, about 168,000 Eritrean young people were recruited by Italian army, and they were fighting in all Italian adventures in Libya and so on. Environ 160 000 Érythréens ont été recrutés par l'armée italienne et ont dû aller se battre un peu partout. Until now, we know only about 8,000 these young people that they died in the war, and the remaining we have no any evidence. That's one. On a des nouvelles sur 8,000 qui sont morts dans cette guerre et les autres ont c'est disparu. One of the demands of the Eritrean government to the Italian government is that what happened to that? Their families are asking about these people. Still, the debate is continuing. The second is that it is both Eritrea and Ethiopian people became a victim. Alors, les Érythréens et les Éthiopiens sont tombés victimes de cette guerre. A lot of Ethiopians also in this war, almost about 1 million Ethiopian soldiers, young people who have been recruited, children of peasants and rural. L'Éthiopie a pris les enfants des paysans pour se battre et il y a eu environ 1 million de morts dans cette guerre du côté éthiopien. And a lot of Eritreans also died, and there is about almost a million Eritreans have been refugees for the last 50 years since they left their countries, living in the whole world. Et donc côté érythréen, il y a eu beaucoup de victimes aussi et 1 million environ de gens qui ont dû fuir la guerre. And finally, the Eritrean revolution have succeeded liberating Eritrea in 1991, and they hoped that, and I hoped also, that we will start a new chapter in the Horn of Africa. Et donc en 1991, finalement l'Érythrée a conquis, après une très très longue guérilla, on peut dire, selon les principes de Mao, du Vietnam, etc., une guérilla populaire, a réussi à conquérir son indépendance en 91, et donc il fallait espérer qu'elle allait pouvoir se développer de façon autonome. Mais je pense que avec l'indépendance, la guerre ne s'est pas arrêtée, et donc les États-Unis ont poussé l'Éthiopie de nouveau à attaquer l'Érythrée. Correct. When I'm analyzing and studying about this situation, despite I don't like the person for a lot of crimes of him in Cambodia, Laos, and Vietnam, the most advanced who have understood the Eritrean revolution was Henry Kissinger. Alors, quand j'analyse cette guerre, bien que c'est un homme que je n'aime pas du tout pour tous les crimes qu'il a commis au Vietnam, au Cambodge et ailleurs, c'est Henry Kissinger qui a eu, dit Mohamed, une vision assez lucide de ce problème. In 1971, Kissinger was reading all the reports of the State Department, which is coming from the State Department concerning Eritrea. En 71, il lit tous les rapports sur la région qui proviennent de son ministère des Affaires étrangères. And he said that it is a trash, that it is what you are representing here. You don't know these people, you don't know the movement, these are very serious people. And they will succeed. They will liberate their country. Et donc Kissinger dit à ses subordonnés, à ses fonctionnaires, vous ne comprenez rien à la situation, vous ne comprenez pas qui sont ces gens, ils sont tout à fait courageux et décidés, et ils vont gagner, dit-il. First, he says that it is this Eurocentrism of American diplomats analyzing this revolution. Il critique l'eurocentrisme des diplomates qui analysent cette région. He said that this first of all, very closely knit, ideologically well formed, they are determined. Il dit que ces combattants, ces guerriers érythréens, sont déterminés, bien formés et tout à fait décidés. And they have a project, a long project, not only independence and how to build also their nation. Mais ils ont un véritable projet, pas seulement l'indépendance, mais comment construire leur nation. And they have also a project of nation building. Voilà, et donc l'idée aussi est de rassembler les communautés. Nation building, ça veut dire que l'Érythrée est composée de plusieurs nationalités, plusieurs ethnies. Il y a aussi des chrétiens et des musulmans. Et là, c'est peut-être intéressant de voir que, à la différence d'autres pays d'Afrique, ça se passe bien à l'intérieur. And he said that they are much advanced than any other countries. He said it is all the diversity which exists in Eritrea, the movement have integrated within the movement. Et donc Kissinger, dit que
justement, le mouvement de libération a réussi à intégrer toutes les forces dans un ensemble qui est bien cohérent, bien coordonné. And the other very advanced they are also it is the contribution of Eritrean women in the national independence, which is the longest and the strongest after the Chinese and the Vietnamese. That is what he said. Et il faut souligner l'apport très important des femmes dans cette libération, dans ce qui a été la plus grande guerre de libération nationale après la Chine et le Vietnam. In fact, he was criticizing all Western Eurocentric thinking of analysis they used to make about that revolution, and he says, no, I'm very pragmatic, I have to say, cut a cut. Et donc voilà, Kissinger critiquait l'eurocentrisme, les préjugés, disait non, je dois appeler un chat et voir la réalité en face. En fait, nous avons, Mohamed et moi, visité l'Érythrée en 2010, oui, et nous avons eu l'occasion de rencontrer le président Afewerki, et on a eu un long entretien avec lui, et une chose qui m'a frappé, c'est qu'il a dit, voilà, dès que nous nous sommes libérés, sont arrivés ici à Asmara, la capitale d'Érythrée, les représentants de la Banque mondiale et du FMI, et ils nous ont dit, voilà, on a préparé le programme pour développer votre pays. Mais ça, il n'a pas accepté. It's true. Just to give you an illustration, I'm almost here 40 years, almost reaching, living in a very small country, my adopted country, Belgium. Pour donner un exemple, moi je vis ici en Belgique, un tout petit pays. And when you meet Belgians and other Europeans first time and you start talking, quand vous rencontrez des Belges ou des Européens et que vous commencez à parler, it is the level of the discussion is very funny. Et la discussion est amusante, vous Mohamed. Because it's already in the beginning there is an a priori judgment about black people and Africans. Parce qu'il y a tout de suite un a priori sur les blacks et sur les Africains. And when the discussion little bit continues after 3 minutes. Et après 3 minutes. That the a priori ideas they had it become false. Ils se rendent compte que leur a priori n'est pas juste. They get very surprised. Et ils sont très étonnés. They get surprised because it is just to tell you one thing, as Bob Marley said in his one of song of him. Qui donc? Bob Marley. Uh-huh. Ah, oui. He said in one of his famous songs, there is no difference between black and white, the only difference is their education. Il n'y a pas de différence donc entre les noirs et les blancs, la seule différence c'est leur éducation. So you can understand the education which is inculcated on them made them also the product of that thinking. Et donc vous voyez, l'éducation qu'on leur donne fait qu'ils sont le produit de cette manière de penser. Afewerki n'a pas accepté qu'on vienne lui dire comment il devait travailler dans son pays. He said that it is after independence the World Bank come to visit him and he said that they want to write for Eritrea a country plan. Et donc voilà, la Banque mondiale vient chez lui et lui propose d'écrire le plan pour le pays. But he said, why we don't write? Pourquoi nous ne l'écrivons pas? But they said this is the norm. No African country had wrote his country plan. Et la Banque mondiale répond non, c'est la règle. Il n'y a aucun pays africain qui a écrit son programme. How did you know what I want? How did you know our need? Mais le président répond à la Banque mondiale, comment vous savez ce que moi je pense et ce dont j'ai besoin? And finally, he said, "No, we are planning. We write our needs, and we know our needs. And this is the first line of contradiction what the imperialists never liked." Et donc finalement, il les a mis à la porte. Ça a été la première contradiction fondamentale, c'est-à-dire les impérialistes n'ont jamais accepté que l'Érythrée dise c'est à nous de définir notre sort. Ça veut dire en fait que si on compare à tous ces pays africains où ce sont les colonialistes, les néocolonialistes qui ont décidé le programme dans l'intérêt de leurs entreprises, l'Érythrée était un mauvais exemple. Very much, because immediately at that moment was President Clinton was in the power in the United States, and the media here was promoting that the new African leaders like Kagame, like Uganda Museveni, Melezi now with Ethiopia and so on. And when Clinton first time was visiting Africa and he came to Tanzania. Et donc ça se passait à l'époque de Clinton et à ce moment-là on mettait en avant dans les médias les nouveaux dirigeants africains comme Kagame. And Clinton when he came to Tanzania, he invited all of them and President Isaias, he said, well, I'm not coming, we have other projects. Et donc Clinton a invité tout le monde en Tanzanie et
Afewerki, le président érythréen, a dit non, je ne viens pas. Donc, l'Érythrée était un pays pauvre, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas beaucoup de richesses, il y a aussi beaucoup de sécheresse, il y a des années où il pleut quasiment pas dans la plus grande partie de l'Érythrée. Donc, ils avaient pour sortir de la pauvreté un très grand problème. Et comment est-ce qu'ils ont travaillé pour quand même arriver à sortir les paysans de la pauvreté? Very good. First of all, Eritrea, before it was a food exporting country to the Middle East on the time of the Italian colonialism. Du temps du colonialisme italien, l'Érythrée exportait son aliment, les produits agricoles It vers le monde arabe. had also a very good infrastructure. Il y avait une bonne infrastructure. And that was destroyed by, first destroyed by the British when they occupied Eritrea from 1941 until the Federation dismantled a lot of industries and they Et even donc sold it. les Britanniques en occupant ont détruit ces infrastructures, ils ont occupé le pays depuis 1941 jusqu'au moment de la fédération avec l'Éthiopie. Then it is the national independence struggle also. It's most of the structure was destroyed. Et pendant la guerre de l'indépendance, il y a eu évidemment des forts combats et beaucoup d'indépendance. Donc, il y a eu un effort pour aider les paysans et je crois aussi, vu le problème de la sécheresse, pour construire des grands barrages et un système d'irrigation très très Yes. important. Yes. Now is Eritrea. It is almost a food sufficient country, you could say. Even it gave assistance to Southern Sudan. Et maintenant, dit Mohamed, l'Érythrée est un pays qui a l'autosuffisance alimentaire, il peut même un peu exporter. Pendant que nous continuons à parler, je vous montre des images, par exemple. J'ai visité le pays, c'est très très impressionnant, les barrages et les systèmes d'irrigation qui ont été construits pour que les paysans n'aient plus à souffrir de la sécheresse. And of course, they have completed, you could say, not 100%, most of the infrastructures like dams, road, health system, and so on. Et donc, ils ont construit beaucoup d'infrastructures, des routes, des barrages. And it is by 2000, 15, they are the only country who have reached the millennium goal. Et donc, dit Mohamed, en 2015, l'Érythrée est le seul pays en Afrique qui a atteint les objectifs du millénaire. Vous savez, ces fameux objectifs qu'on avait proposés en 2000, les grands chefs d'État se sont réunis solennellement à New York. Ils ont dit, voilà, on va mettre fin à la pauvreté, on va mettre fin à la sous-alimentation, à la mortalité des enfants, aux grandes maladies, on va apporter l'éducation. 15 ans plus tard, le bilan est lamentable. Les objectifs ne sont pas du tout atteints. Il n'y a jamais eu autant de gens qui meurent dans le monde. Et donc, explique Mohamed, en Érythrée, on a au contraire, en ne suivant pas les conseils de la Banque mondiale, on a réussi à atteindre vraiment un développement agricole satisfaisant. Maintenant, avec Mohamed, à la question, ce que vous nous avez décrit, ça a l'air super bien. Alors, on se demande pourquoi, ici à Bruxelles et dans d'autres pays européens, il y a quand même des Érythréens qui quittent le pays, qui émigrent. Pourquoi? Very good. It is for three fundamental reasons. Trois raisons fondamentales. One is that it is the project of Eritrea was not liked by United States, and United States and Britain, they developed a strategy for a regime change in Eritrea. Et donc, la première raison, c'est que les États-Unis et la Grande-Bretagne n'aimaient pas du tout cette idée d'un petit Cuba en Afrique pour le développement autonome. Et donc, ils ont fait une stratégie de regime change, de renversement du gouvernement. And to realize that it is they supported aggression from Ethiopia and Eritrea was invaded and there was war Pour le for 2 years. réaliser, ils ont donc organisé une invasion par l'Éthiopie. And of course Eritrea have succeeded to stop this invasion, but it is dislocated a big number of its population from the agriculture. Et donc l'Érythrée a réussi à arrêter cette agression, mais évidemment pour un petit pays, ça veut dire que beaucoup de ses enfants, au lieu de travailler dans l'agriculture, ont été obligés d'aller faire la guerre. And secondly, is that it is diabolizing the country was the strategy through the media and so on, that Eritrea is North Korea, that Eritrea there is a dictatorship, and so on and so on. La deuxième stratégie des États-Unis, c'est la diabolisation, que c'est la Corée du Nord, que c'est vraiment une dictature. And then is attracting the young Eritreans to leave the country.
Et donc, ils font un travail systématique pour attirer des jeunes Érythréens en leur disant, quittez votre pays. Because in Eritrea, before the war, there was a military service of about 18 months, but now, because of the war imposed, the military service was prolonged. Et en Érythrée, il y avait avant un service militaire de 18 mois, mais à cause de la guerre qui se prolongeait, le service militaire a été prolongé aussi. Et ça, j'imagine que pour beaucoup de gens, c'était quelque chose qu'ils n'aimaient pas et qu'ils n'aimaient pas du tout. For economic reason, for a lot of other reasons, and second, Les gens n'aimaient pas ça pour des raisons économiques, c'est-à-dire un manque à gagner. and also to weaken the Eritrean army. Et l'idée, c'était en époussant les jeunes Érythréens à fuir, c'était d'affaiblir l'armée érythréenne, qu'elle ne puisse plus résister. Secondly, it is that Eritrea is the only country is the whole population is armed. If you go to Eritrea, you will never see a police in the street. There is no vandalism, there is no crimes, but Si the vous whole allez en population is Érythrée, armed. vous allez constater que toute la population est armée, mais par contre, il n'y a pas de police dans la rue, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vandalisme. If the regime is, as they call, it is not supported by it is the people, it is the population have the arm. No countries except Cuba, probably, there is no country where the population is armed. Et donc, si vraiment le régime n'est pas est détesté par la population, comme on nous le dit, pourquoi il n'est pas renversé, puisque les gens ont tous des armes, et comme à Cuba d'ailleurs. Secondly, is that it is parallelly the imperialist forces promoted Ethiopia. Et donc, les États-Unis ont fait la promotion de l'Éthiopie. Saying that Ethiopia is there is a development, high development of two digit. Ethiopian leadership was received by the Western Il y countries. a un grand développement du pays, les dirigeants étaient accueillis A en lot Europe. of a lot of propaganda. Beaucoup de propagande en fait pour And l'Éthiopie. I was 2 months ago in Ethiopia. An Ethiopian economist gathered and made a study of the Ethiopia, of this propaganda and the reality. There was never been even any development in Ethiopia. Et It moi was j'ai été en Éthiopie encore il y a 2 mois et c'était de la pure propagande. Il n'y a pas du tout le développement qu'on nous a raconté. millions of peasants are being chased away from their land. They're Beaucoup de destitute. millions de paysans perdu leur terre. The country is in debt until it is head. To give you an illustration, $17 billion they are in debt from the Chinese, Si le pays est terriblement endetté, 70 milliards auprès des Chinois, 3 billion from Turkey, 3 milliards de la Turquie, 2 billion from India, 2 billion from Brazil. l'Inde, le Brésil, etc. Donc un pays totalement dépendant en fait. So the whole, from all lending, whether private and non-private, they have taken. The country is Tout est aux mains de l'agrobusiness privé. On cultive des légumes, everything. They sell fruits, des their fleurs children, pour everything. l'exportation, mais les paysans, eux, Yes. ont très faim. People are suffering like anything. The economic difficulties and European Union and so on and the so-called Democrat liberal journalists have never mentioned. Ce qui est très curieux, c'est qu'on nous parle beaucoup de l'Érythrée pour dire que tout va mal. On ne nous parle pas de l'Éthiopie, où il y a eu aussi beaucoup de répression contre les minorités nationales, beaucoup de souffrances, où l'économie va mal. Pourquoi est-ce que les médias diabolisent et dressent un faux portrait sur l'Éthiopie? The very strange again, the Ethiopian people have revolted and have overthrown the regime which is supported by the West. Eh The bien, media la réponse est là. Les Éthiopiens se sont soulevés et ils ont renversé le régime qui était doesn't talk about it. soutenu There par is nothing l'Occident. now. Ethiopia is out of news. Et maintenant, de ce soulèvement populaire contre le régime pro-occidental, les médias n'ont absolument pas parlé. Bien, Mohamed, je crois que c'est très très intéressant pour nos auditeurs. Donc, est-ce que cette réconciliation, cette amitié entre l'Érythrée et l'Éthiopie, je vais montrer des photos de la dernière visite du président Afewerki en Éthiopie, est-ce que ça ouvre une nouvelle perspective pour la région? For the last 50 years, the region is suffered Je because m'excuse, on voit ici le président Afewerki avec sa cravate, accueilli par le premier ministre en costume blanc et le ministre des Affaires étrangères. Oui. the last 50 years that it is divide and rule of foreign policies of the imperialist countries have weakened all the people of Horn of Africa. La politique occidentale depuis 50 ans a terriblement affaibli tous les peuples de la région. With the coming of Prime Minister Dr. Abiy, Avec la visite du Premier ministre éthiopien, we rejected that it is we wanted to solve our problem alone. nous avons dit nous voulons résoudre nos problèmes nous-mêmes. And one of it is that to create
peace with Eritrea, and the Prime Minister of Ethiopia went until Eritrea, and then President of Eritrea. Et donc il y a eu des visites d'un pays à l'autre pour organiser la réconciliation. Now peace agreements are signed. Et maintenant il y a un accord de paix, la paix est signée. It's not only peace with a lot of packages that working together in all fields. Mais il y a aussi toute une série d'autres accords de coopération. En fait, ce qui est important pour cette région, c'est qu'au lieu du diviser pour régner entre l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée, Djibouti même, on arrive à une coopération régionale pour tirer les points forts de chaque pays et s'entraider en fait. Correct, in Asmara, the president of Somalia, the prime minister of Ethiopia, the president of Isaias, they have signed a mutual... Oui, effectivement, à Asmara, ils ont signé un accord. Mutual cooperation, and that will be that the Horn of African States, they will work together, and in Ethiopia with the new prime minister, now today he's nominating his new cabinet, and in this cabinet we have a new ministry called the Ministry of Peace. Et donc voilà, il y a eu des accords qui ont été signés, le premier ministre a formé son nouveau gouvernement, et dans son gouvernement il y a un ministre de la paix. Voilà. Il est temps de conclure cette émission avec quand même une proposition pratique très intéressante. Mohamed, je sais que vous avez beaucoup souffert de la guerre, de la division des populations par le colonialisme. C'est quelque chose que vous expliquez bien dans le livre « La stratégie du chaos » avec un long chapitre justement sur l'Érythrée et toute cette région, mais pas seulement sur cette région. Et vous avez donc dans l'ombre, discrètement, beaucoup travaillé pour la réconciliation, pour un changement à l'avantage des peuples. Donc, j'imagine, vous devez être très très satisfait. Very much, as I have told you, that there will be this Minister of Peace who will enlarge it. First of all, peace within the country, peace in the region. Je suis très satisfait avec ce ministre de la paix dans la région. And we will ignite that it is our problem must be solved. We are the one who are living there. It is a very rich area with a poor population. C'est nous qui vivons là. La région est riche, mais les gens sont pauvres. Donc c'est à nous à résoudre nos problèmes. When we say peace, it is four pillars. One is that it is the basic of peace will be fighting corruption. La base de la paix, c'est de combattre la corruption. The second of base of peace is that it is bringing confidence building among the population and building their confidence that the whole region can work together. La deuxième base, c'est de rétablir la confiance entre les populations, qu'il est possible de se développer ensemble. And the third is that it is developing a new historical relationship, which had been always there, and the people are very similar culturally, religious-wise, and so on. Et donc, il s'agit de créer une nouvelle relation historique. Les gens, ils ont beaucoup de points communs. And we will integrate it in the educational system, and we will make a campaign, we will make a debate in the country, and so on. Et dans le système éducatif, on va faire en sorte que ces valeurs soient là pour éduquer la nouvelle génération. And build a new view that our view is that it is first the region must be integrated and then we have to deal with our immediate neighbors. Il faut une intégration de la région, passer des accords avec nos voisins. And then we will also integrate ourselves with the world with sovereignty and equality. Il faut absolument une égalité, une souveraineté entre les nations. And we are a very big population, so the market is very big. Nous sommes une grande population, donc c'est un grand marché, donc il y a un développement économique qui est possible. Je vais dire que l'Érythrée, vous avez, Mohamed, avec Franz de Macht, organisé une association d'amitié entre la Belgique et l'Érythrée. Vous organisez des voyages. Je crois que les gens ici ont l'impression « Ouh là là, l'Érythrée, c'est une prison, c'est horrible, c'est pas possible, ils veulent pas les étrangers. » Et en réalité, vous avez déjà organisé des voyages et vous en proposez d'autres. The second, we have organized one time with my comrade Franz de Macht, and the second one will be in April. But we are upgrading now. We are upgrading. We will make the trips not only for Eritrea in the future, also Ethiopia. Nous avons déjà fait plusieurs voyages. Il y en aura le prochain au mois d'avril. Mais nous développons. Nous faisons pas seulement l'Érythrée. Il y aura aussi l'Éthiopie. And this, it will be integrated in our future programs. Et voilà qui sera dans nos programmes. Bien.
Je regarde si nous avons eu des questions qui nous ont été posées à Mohamed. Je regarde rapidement. Quelqu'un qui demande si on peut assister à une de nos conférences. Je voudrais dire, inscrivez-vous à notre newsletter, comme ça vous serez averti de toutes les conférences qui ont lieu et vous pourrez inviter vos amis. Alors, une question. La réforme agraire est basée sur quoi, s'il vous plaît? Mohamed, un mot. La réforme agraire, c'est quoi? Where? Which country? Eritrea En or? Érythrée. First of all, in Eritrea, there are two types of farming. Il y a deux types de fermiers, de paysans. One is it is a communal farming of Des coopératives, c'est ça? cooperatives. Yes. The second is independent peasants. They can farm their own land. Of course, they will get assistance from the government, health, water, school for their children, and also other education. Et donc pour les coopératives, il y a de l'aide pour les paysans, pour les écoles, pour l'eau. And the main objective is that it is food security. Et le plus important, c'est la sécurité alimentaire, que les gens aient à manger. If you don't have food security, you are not independent. So you have, first of all, you have to realize food security, and after the food security, you can also export food security. Et donc, quand vous avez la sécurité alimentaire, après, vous pouvez exporter et contribuer à ce que le reste de la région soit aussi en sécurité alimentaire. Voilà. Nous allons rester là. Je vois que vous avez beaucoup d'intérêt et que quelqu'un a fait une remarque que ceci concerne absolument toute l'Afrique. Donc, si vous vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'Érythrée, vous avez des articles sur le site InvestiAction, vous avez le livre La stratégie du chaos et vous avez l'association d'amitié qui organise ces voyages. Si vous avez des questions, inscrivez-les sur notre page Facebook. Je vais les transmettre à Mohamed et à Franz et je vais vous remercier et vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. On est dans les génériques.